Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de compléments alimentaires. Je pense que tu peux t'en douter un petit peu avec les produits que j'ai disposés sur la table. Donc aujourd'hui j'ai été me ravitailler en compléments alimentaires parce que j'avais plus rien. Et je vais faire juste une brève présentation de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc on a juste ici la whey, la protéine, ça on ne la présente plus, c'est de la isolate. Très bien pour la récupération musculaire. Après on a ici, ça c'est du magnésium, super important, magnésium avec du zinc, ça c'est un très bon combo. Et juste ici on a des oméga 3 avec un surplus de vitamine D. Donc ça c'est mon pack que je prends vraiment tout le temps, c'est vraiment... Pour moi, les choses que j'ai achetées ici, ce sont les compléments alimentaires les plus intéressants que tu peux consommer, autant pour la progression, enfin pour la récupération, et aussi pour le côté santé. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les compléments alimentaires que je jugeais utiles. Donc, si jamais tu as envie d'aller la voir, si jamais tu ne l'as pas encore vue, bah, elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'ai pas juste fait cette vidéo pour te parler des compléments alimentaires que j'ai achetés, mais je veux aussi te parler surtout des compléments alimentaires que je juge inutiles. L'industrie des compléments alimentaires, c'est vraiment un gros business. Tu peux vraiment retrouver une tonne de compléments alimentaires sur le marché. Il y a des compléments alimentaires qui seront intéressants pour t'aider à progresser, mais aussi pour le côté santé. Et après, il y a d'autres compléments alimentaires qui seront complètement inutiles et qui seront juste là pour te pomper ton argent. Et on va attaquer directement avec le premier complément alimentaire que je juge inutile. Et le premier complément alimentaire que je ne te conseille pas d'acheter, c'est les oméga 3, 6 et 9. Alors, pourquoi je trouve que ce complément alimentaire est inutile? C'est parce que dans notre alimentation au quotidien, on consomme suffisamment d'oméga 6 et 9. Surtout les oméga 6, et le fait de prendre des compléments alimentaires qui contiennent des oméga 6 et des oméga 9, ben c'est un peu débile parce que ça ne va faire que déséquilibrer le ratio avec les oméga 3. C'est vraiment l'oméga 3 que tu dois favoriser un maximum pour avoir un bon équilibre entre les oméga 6 et 9. Parce que idéalement, pour avoir un bon équilibre, ça doit être 50-50 au niveau des oméga 3, 6 et 9. Voire même un peu supérieur pour les oméga 3. Donc oublie tout ce qui est oméga 6 et 9, prends uniquement des oméga 3. Tu peux retrouver des oméga 3 comme dans des pots juste ici, dans les magasins de compléments alimentaires. Mais tu peux aussi retrouver les oméga 3 dans l'alimentation comme le saumon, les avocats, le maquereau et les amandes par exemple. Le deuxième complément alimentaire que je vais juger inutile, ça va être le tribulus. Alors, le tribulus, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de conneries et en termes de compléments alimentaires inutiles. Parce que c'est soi-disant réputé pour être un booster de testostérone. Perso, je crois pas à toutes ces conneries de booster de testostérone. Parce que c'est la majorité du temps, c'est tout basé sur le marketing. Et dans les faits, bah, ça sert vraiment un peu à que dalle. De nos jours, il n'y a rien vraiment qui a prouvé l'efficacité du tribulus. Et si ça serait le cas, bah, ça se saurait et tout le monde en prendrait. Tu veux booster ta testostérone? Mange des œufs, mange le jaune d'œuf, mange des aliments qui sont riches en oméga 3. Il n'y a pas mieux comme booster de testostérone. Et on a tendance à pas mal sous-estimer les bienfaits des lipides, que ce soit pour la progression, mais aussi pour le côté santé en musculation. Et il y a quand même pas mal de personnes qui négligent un petit peu les lipides, et moi je trouve que c'est vraiment une erreur. Pas besoin de gaspiller ton argent dans du tribulus ou dans d'autres compléments alimentaires soi-disant boosters de testostérone. Tu peux retrouver ça vraiment dans l'alimentation assez facilement en consommant des aliments de bonne qualité. Et il y a vraiment largement mieux comme complément alimentaire. Et le troisième complément alimentaire que je juge inutile, c'est le mass gainer. Alors, pour les personnes qui ont un métabolisme rapide et qui brûlent beaucoup de calories et qui veulent prendre du poids, on pourrait penser que le mass gainer serait la solution. Et je suis assez d'accord avec cette partie-là, mais c'est juste le type de mass gainer que tu vas consommer qui pourrait poser problème. Parce que moi, je vais te déconseiller de prendre vraiment les mass gainers que tu peux retrouver dans les boutiques de compléments alimentaires. Après, ça va dépendre des marques aussi et tout ça, etc. Mais... la plupart du temps, les mass gainers, ils ont des ingrédients qui ne sont pas forcément intéressants et notamment avec beaucoup de sucre. Mais comme alternative, moi, je vais plutôt te conseiller de faire un mass gainer maison. Par exemple, moi, il y a un mass gainer que j'aime beaucoup faire de temps en temps. C'est de la protéine, donc comme ici. Tu mets de la protéine avec des flocons d'avoine
et du beurre de cacahuète. Et tu peux même rajouter une banane si tu le souhaites. Tu vas pouvoir vraiment varier ton mass gainer en fonction du nombre de calories que tu as besoin. Voilà, si tu as vraiment besoin de prendre beaucoup de poids, bah, tu vas faire des mass gainers assez caloriques. Donc c'est ça qui est bien avec les mass gainers maison, parce que bah, tu sais ce que tu mets dedans et tu peux vraiment être assez flexible sur les calories. Donc voilà, bah, je viens de faire le tour au niveau des compléments alimentaires que je juge inutiles. Et on arrive par la même occasion à la fin de cette vidéo. Et laisse-moi savoir dans l'espace commentaire, selon toi, quels sont les compléments alimentaires que tu juges inutiles. Si tu as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !